encore une ville sombre, froide, super. J'adore me balader par ce temps. Qu'est-ce que vous savez de ce bâtiment-là ? Quoi ? Celui que vous observez, entouré par les bandes de la police. L'immeuble de Vasilei ? Un crime y a été commis, je suis journaliste. Que s'y est-il passé ? Le dernier meurtre du Monstrum. Vous n'êtes pas d'ici, vous ? Non, j'ai besoin de renseignements, et je suis prête à payer. Ça fera cher. Je crois que Vasilei était marchand d'art, c'est ça ? Plus que ça, il avait des liens avec la mafia. La mafia ? Vous en êtes sûr ? Certain, madame. J'enquête sur les activités de Vasilei depuis pas mal de temps. Et pourquoi a-t-il été assassiné ? Vasilei détenait un objet qu'il voulait, et a été liquidé, parce qu'il ne le donnait pas. Ils ont lâché le Monstrum sur lui. Et comment sauriez-vous tout ça ? On a retrouvé des morceaux sur tous les murs. Oh, un carnage ! Il avait trouvé quelque chose. Sauriez-vous aussi quoi ? Une peinture, peut-être ? Je l'ignore encore, mais on l'a réduit au silence. La mafia a effacé absolument toutes les preuves. L'objet est au Strahov. Et vous allez me dire ce qu'a ce Strahov, j'espère. Non, vous avez épuisé votre crédit. Il me reste encore un peu de crédit, non ? Rien à voir. C'est dangereux de parler de ces choses. Je suis beaucoup trop bavard. Vous êtes un grand garçon. Vous vous en sortirez. Et votre nom, c'est ? Ludic. Je m'appelle Ludic. Ok, Ludic. Quoi d'autre ? Le Strahov est le quartier général de la mafia à Prague. Il déborde d'activité ces dernières semaines. Vous êtes bien informé. Je suis un professionnel. C'est mon boulot. J'ai des dossiers sur les acteurs principaux. Ça va coûter bonbon. Ok, je suis. Vous appelez ça des dossiers ? Bark ! Savez-vous qui c'est ? Non, il est arrivé hier. C'est Bouchard, un chef de gang parisien. J'ai déjà eu forte affaire avec lui. Vraiment ? De la mafia parisienne ? Je ne sais pas. Et lui ? C'est Eckhard, le grand patron de la mafia d'après ce que je crois. Mais j'en sais moins sur lui que sur les autres. Ils sont tous au Strahov en ce moment. Tout cela ? Les 6 premiers rôles. Eckhart et les 5 autres. Ludic, je dois aller voir ça de plus près, aujourd'hui. Savez-vous comment faire ? Pas facile. C'est sévèrement gardé. Portail de sécurité, caméra, scanner d'identification. Mais ? Mais je peux trouver un code d'accès. Je connais des gens. Il me faut une demi-heure. Ok. Pendant que vous m'arrangez ça, je vais fouiner chez Vasilei. Soyez prudente là-bas. Et ne me faites pas attendre. Je n'aime pas traîner dans les rues, en particulier par un temps comme ça. Restez au chaud. Thank you.
Ça ne s'ouvre pas. Je veux des réponses, Bouchard. Pourquoi vouliez-vous me faire tuer à Paris? Un dommage collatéral. Une poussière qu'il fallait enlever. Qui a donné l'ordre? Un fou appelé Eckhart. Il me menait la vie dure dans le boulot. Il menaçait ma famille. Tuait mes hommes. Vous en avez eu un aperçu à l'église. Un sacré furieux, hein? Le pire. Eckhart et le Monstrum. Vous êtes sûr? Que faisiez-vous pour lui, exactement? Je devais réceptionner une peinture qui se trouvait au Louvre et la rapporter au Strahov, ici, à Prague. Ma peinture? C'était difficile de la sortir du Louvre, Bouchard. On y a tous les deux perdus, on dirait. Et pourquoi à Prague? Eckhart est sous la protection d'un groupe basé à Prague, la Coterie. Ils sont presque aussi dangereux que lui, et au moins aussi tordus. La Coterie, pas la mafia? Non. Ils sont bien pires que la mafia. Personne ne connaît exactement leur âge. Mais j'ai vu passer des documents prouvant leur existence pendant la Seconde Guerre mondiale. Intéressant. Tous ceux qui s'intéressent de trop près à la Coterie disparaissent. Comme mon ami Von Croy. Quel était son rôle dans tout ça? Il a été engagé pour trouver l'une des 5 peintures d'Obscura. Celle qui était au Louvre. Mais il a trop fouillé. Il a pris contact avec Vassilei, ici, à Prague, pour échanger des renseignements. J'ai trouvé des fax, et 4 gravures d'Obscura qu'il avait envoyées à Von Croy. Vassilei possédait 5 gravures, mais il en garda une. Qu'ont-elles de spécial, ces gravures? Chaque gravure contient une carte chiffrée de l'emplacement précis d'une peinture. Donc, c'est une gravure qui a mis Von Croy sur la piste du Louvre? Oui, mais votre ami n'était pas assez prudent. La Coterie intercepta les fax. Ensuite, Eckhart n'avait plus besoin de lui. Une autre petite main a effacé, comme Vassilei. Tué, pas effacé. Pourquoi Eckhart profane-t-il les corps comme ça, Bouchard? C'est pour dissimuler ce qu'il leur fait subir. Il emmène des morceaux pour l'aider à ramener le cubiculum néphili à la vie. Le cubiculum néphili, le dormeur. Dernier de la race éteinte des Néphilim. Vous connaissez le Dormeur? Eckhart est devenu fou. Avec le Dormeur, il espère pouvoir ramener les Néphilim disparus à la vie. On ne peut pas se tromper sur ses ambitions. Ainsi, la 5e gravure que Vassilei conservait mène à la dernière peinture d'Obscura. Je vais tout passer au peigne fin. Ça doit être bien caché. Vassilei était très prudent. Il ne l'était pas assez, visiblement. La carte de la dernière gravure indique l'emplacement de la galerie des trophées. C'est l'un des tout derniers refuges secrets du Lux Veritatis. Et Eckhart veut absolument la trouver. Une galerie du Lux Veritatis? Ils s'emparèrent des 5 peintures d'Obscura juste avant l'an 1500 et les cachèrent. La dernière est plus probablement dans la galerie. Et savez-vous où peut être la galerie? Juste qu'elle est sous le Strahov, quelque part. Et la peinture y est certainement? Eckhart le pense. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a conduit la Coterie à s'y installer. Le temps presse. Il faut que je fouille par ici. Et vous allez me laisser comme ça? Oui, reposez-vous. Vous vous êtes beaucoup dépensé. Je reviens avec la 5e peinture. À son époque, le Lux Veritatis était le gardien de redoutables secrets. Des armes aussi. La galerie contient sûrement autre chose que la peinture. Bien. Peut-être quelque chose d'utile. Il sera très bien protégé. Je garde ça à l'esprit. Ah!
Je me sens plus forte. Là, on progresse. Les éclats périaptes. Des informations sur les éclats périaptes. Il s'agirait de trois armes de lumière. Trois éclats de cristal en forme de pointe. Apparemment, personne ne sait comment les utiliser. Tres periapti coniuncti cum justitiae igne malasicunt. Le dormeur, cubiculum néphili. Le dormeur ou cubiculum néphili, un sarcophage de pierre, aurait contenu les derniers restes de la race éteinte des néphilim, enterrés quelque part en Turquie. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Voyons s'il n'a pas la clé de cet endroit. Je me demande si c'est la bonne clé. Vous avez mon code du Strahoff? Je répète, je suis un professionnel. Mais je veux une exclusivité sur Paris et tout ce qui se passera ici. D'accord.
Ce code vous fera entrer dans la zone d'entrepôt. C'est un pass de sécurité minimal, mais au moins, vous serez dedans. Bon, c'est à moi de jouer. Vous avez testé ce code vous-même ? Moi ? Oh non ! Cet endroit me fout la trouille. Des employés disparus, entre autres choses inexplicables. Qu'est-ce qu'on y fait ? Qui sait ? Je paierai cher pour savoir. Mais c'est trop gothique. Si vous trouvez quelque chose, ne m'oubliez pas, hein ? Pas de risque. Ah, j'ai cela aussi. Ça pourrait vous servir. Ce Straov m'a l'air assez hostile. Un pistolet maniable, avec chargeur à air comprimé. On ne devrait jamais envahir sans lui. Combien ? C'est une arme formidable. Combien ? 800 euros. Ok, on parlera dans la voiture. On approche du Straov.